Salut les gars! Et les filles. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini level. Ça fait un moment que j'ai pas tourné. Et vu que j'avais l'opportunité de pouvoir tourner, faire un petit truc, ben, je me suis dit pourquoi pas faire un niveau. Et le niveau que je peux faire avec vous, ce serait l'escadron qui vient de Suicide Squad. Et c'est parti parce qu'on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être mieux que le film? MDA, on va voir. D'accord. Ça c'est Diablo, okay, je suppose. Code rouge. L'autre c'est qui? Il est temps de prouver que vous méritez les colliers explosifs hors de prix que je vous ai achetés. Les capteurs indiquent qu'un intrus est passé par le mur est, puis s'est attardé autour des projecteurs de sécurité pendant une durée étonnamment longue avant de pénétrer dans le complexe. Allez sur place et arrêtez-le. Sinon je vais vous montrer que j'ai un tempérament explosif. D'accord. D'accord. Fait que dans le fond, ça c'est Captain Boomerang. Ici Diablo, Amanda là, Waller au centre pénitentiaire Belle Rêve. Voici la situation. La prison est attaquée. Oui. Le bouclage complet de la zone est en cours. Les membres de mon squad ont été chargés d'identifier les responsables et de les neutraliser. Et je ne leur ai pas laissé le choix. La zone est bouclée et tous les prisonniers sont enfermés. Mais ce ne sont pas quelques portes de mer et tout qui vont arrêter les membres de mon squad. Moi je veux du boomerang. Ah, je vais peut-être ôter un truc, ça dérange pas. Parce que ça va vous faire chier, je pense. Ouais, mini kit. Je vais tout ôter. Les trucs. Légende des coups de Batman, on va l'ôter. Parce que aussitôt que je frappe quelqu'un, ça va. Ça va vous faire chier, je pense. On se retrouve juste pour voir le niveau qui est adapté. Deadshot est un vrai leader. Même s'il semble n'en avoir absolument rien à faire. Le squad va avoir besoin de lui pour traquer les assaillants. D'accord. Oh, y a Harley Quinn là. Je veux jouer avec elle. Okay. Vision nocturne, il y a un fusil. Boomerang. Il peut juste tirer des trucs. Elle. Ouais. Attends, non, redonnez-moi Diablo. Ok, c'est vraiment rien les persos à part ben, comme dans le film quoi. J'aime bien tacler les films. J'ai pas écouté. Voilà. Putain. La mémoire visuelle quoi. Ok, un mur destructible, deux murs destructibles et Harley Quinn. Ma chère Harley, t'es pas Harley du tout Quinn, comme dans le film. Ma prisonnière préférée. Ah ouais? Elle a des talents intéressants, je l'admets. J'adore quand elle manie son marteau géant. Oh. Et... mais comment elle a fait pour se procurer ça? Ok. Ah, il spawn un ennemi, lui, c'est juste le gars qui l'a pris. On pète ça. Bon ben, j'en profite pour vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du film Suicide Squad. Moi honnêtement, je l'ai vu quand il est sorti en film. Parce que je l'ai acheté, parce que voilà, hein, je suis peut-être un pigeon, mais voilà. Et j'ai entendu beaucoup de mal et je m'attendais vraiment à pire. Du coup, ça m'a pas dérangé, j'ai écouté la version prolongée et tout. Fait que je sais pas si ça a fait qu'il était meilleur, peut-être. Hein. Mais moi ça m'a pas trop dérangé de... voir ça. C'est qui faut aller là? Deadshot. Ça m'a pas trop dérangé les trucs. Il y avait des jokes lourdes, mais bon. Ça va quoi? Ok. J'aime pas le Joker par contre, ça je vous le dis tout de suite. Et au moins ils ont fait un effort d'essayer de faire de quoi de différent. Mais je l'aime pas quoi. C'est pas super super quoi. Le gangster. Putain, mais tape-le! Voilà. Ah, le Joker. Qu'est-ce que tu branles là? On sait pas, hein, mais bon. Non, d'accord. J'ai compris. Ok. Ok.
Bon, c'est qui qu'on ouvre là? Ah, ok, non, c'est juste une porte. Faut que les autres entrent. Puis y'en a un qui doit pouvoir se servir. Quelque chose. C'est quoi? Ok, vous. Ah, je vois plus. Y'en a-t-il avec des explosifs? What? Ah, boomerang explosif. C'est lui. Du coup, vu que je sais pas trop quoi dire, hein, je vais vous dire mes persos que j'ai préférés là-dedans. J'ai beaucoup aimé Boomerang. Parce que Jay Kuroté me fait rire. Du coup, j'ai beaucoup aimé le personnage. Will Smith, bah c'est Will Smith. Hein, c'est... Deadshot, c'est Will Smith quoi. Puis Harley Quinn, j'ai bien aimé. Elle fait un peu pute à cause du Joker, mais sinon ça va. J'aime beaucoup Margot Robbie alors. Ça va quoi. Mais Jay Courtney en Boomerang là, avec son accent putain. Parce que je l'écoute en anglais moi. Son accent anglais gros, trop lourd. Son putain d'accent australien genre. Wait, what? Attends. On peut pas ouvrir au Joker? Ok, faut qu'on sauve sans lui, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Mais niquez-vous. Que fait King Shark? Il doit se passer quelque chose là-dessous. Ah, ça c'est un personnage qu'on pouvait pas jouer, je sais pas. J'espère pour nos intrus que King Shark a déjà été nourri. Oui, au cas où j'aurais oublié de le mentionner, King Shark est un vrai requin. Il adore le rappeler à ses ennemis. D'accord, fait qu'il... elle nous introduit des personnages qu'on a pas vu dans le film, nice. Je suis limite en train de me demander si c'était pas mieux de mettre King Shark parce que personne ne le connaît que Killer Croc là. Parce qu'il est dégueulasse le Killer Croc là-dedans. Je suis désolé hein, il est nul à chier. Mets-toi, mets-toi. On les est pas censé être tous du même côté normalement. Mais... bon, enfin un groupe. Ah, je suis un peu enrhumé. Je sais pas, vous devez sûrement l'entendre à ma voix hein, parce que je parle un peu du nez. Je suis enrhumé encore une fois, je tombe malade tout le temps, moi c'est chaud. Hop. Niquez-vous. On prend les petites pièces hein. Ok. Harley Quinn. Ah. On va pouvoir prendre ça. Et le jeter contre le mur. Allez, dans ta gueule. Je commence à penser qu'aucun intrus ne pourrait causer autant de dommages que la Task Force X. Je vais devoir annuler le match de basket prévu. Désolé. Tu peux te construire de quoi, non? Boomerang. Ouais, voilà. Et oh, au moment que je tourne cet épisode, le trailer officiel, le premier, de Justice League vient de sortir. Je l'ai maté ce matin. Et honnêtement, ça a l'air putain de bien, quoi. Déjà que le premier, juste voir les trucs, ça m'avait donné envie de l'écouter. Mais il faut toujours être un peu réticent, parce que des fois ça a de l'air cool, mais finalement ça termine pas aussi bien qu'on le pense. Mais ça, il y a de l'air cool. Du coup, j'ai hâte. Ça se trouve, je vais être déçu un peu. Mais bon, que voulez-vous? Putain, on se fait chier. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? D'accord. Deadshot, c'est toi l'acrobatique? C'est toi la personne acrobate. Allez. Allez. Et ça sert à rien. Ça sert à rien, merci à toi. Putain, mais au-dessus de toi, là. Je casse les couilles à tout le monde. Wow. Ah, Harley Quinn. Harley Quinn aussi est acrobate, c'est ça? Ok, ouais, c'est une fille. C'est pour ça. C'est tellement ça en fait. C'est parce que c'est une fille, c'est une acrobate, quoi. Niquez-vous. Allez. Putain, mais. Bon. Qu'est-ce qu'on construit?
un truc pour se muscler. Tout ça. Ok, on va le faire tomber. Ça prend des shots, ça. Putain. Il va faire tomber dessus, puis il va y avoir genre Killer Croc qui va sortir, tout de même. Thanks, les bruitages, hein. Jean-Michel Bruitage, en tout cas. Je retire ce que j'ai dit. La personne ou la chose qui s'est introduite dans cet endroit a dû passer un bon moment. Deathstroke. Deathstroke. Il devrait nous aider à passer. Deathstroke. Même si je ne fais pas une confiance aveugle à Slade Wilson. Oh. Ok, on peut jouer. Nice. Niquez-vous tous. America. Fuck yeah. Je peux tout péter. Deathstroke, c'était pas censé être le méchant dans le film Batman qui va sortir. Avec Ben Affleck. Je sais plus en fait si ça va être encore lui, parce que me semble qu'il y a des rumeurs qui disent que finalement bah, le gars qui faisait Deathstroke, il va prendre un bord. Je sais plus. J'espère tellement qu'il va être bien quoi. Le film Batman quoi. C'est triste, il me manque Heath Ledger. Le sacré Joker. Oh putain. Ok, ah boomerang. Putain, mais tu peux-tu être plus relou genre? Oh. There you go. Toi, ouais, éteins le feu toi. Et puis le dessus, Chris. T'attends, c'ti. Ah ouais, t'es fait d'eau. Crash un peu dessus. Ouais, j'y mets des accents maintenant. Ah, ouais, ben oui, putain. J'suis con. Logique. C'est un peu de breakdance, hein. Ça me fait penser. Parce que là, j'avoue que j'essaie de me. Genre. Ok. J'ai dû oublier putain. Jaune, je pense que c'était rose après. Jaune, rose. C'est orange. Orange, ouais. Ça me fait penser que. Notre dernière mission. Notre cible devrait être derrière cette porte. D'accord. J'aurais voulu commencer. What the fuck just happened? Toi, Mandawaller, putain. Yeah. Bien, bien. L'intrus a été neutralisé et identifié. Oh putain, c'est lui. Il s'agit d'un certain Drury Walker, alias Cameron Vampire, alias Killer Moss. Non, mais vraiment. Il n'a pas été capable d'accéder à notre réseau, car l'informatique ne fait pas partie de ses super pouvoirs. Il nous a donc servi le monologue habituel où il a détaillé ses plans miteux pour se venger du squad. Profitant de ce discours vibrant, le squad a pu le prendre à revers avant d'écraser cet insecte. Excusez ce mauvais jeu de mots, mais il ne l'a pas volé. Oh non. Oh le cringe. Je brûle. Ah. Putain. Ah. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que j'avais envie de commencer à faire pas des critiques cinéma, hein, parce que je m'y connais pas, mais de parler de. Mettons, je mets un film. Je mets un jeu en fond, hein. Ça joue en fond, mettons Rocket League ou n'importe quoi. Et je parle, que ce soit seul ou avec quelqu'un que j'ai vu le film. D'un film que j'ai vu récemment, ou quoi de même, un film qui m'a plu, un film qui m'a déplu, ou quoi comme ça. Que ce soit vieux ou récent. J'avais l'intention peut-être de faire ça parce que je regarde beaucoup de films. Et j'aime beaucoup les films. Du coup voilà. C'est un petit tease, je sais même pas si je vais le starter, mais voilà. Bon, c'est fini pour le mini. Oh, j'ai voulu faire niveau et level en même temps, ça fait niveau. Putain. C'est fini pour le mini level. Naval level. On se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Je ne sais pas sur quoi. Mais on va bien se retrouver un jour. C'était Sunrise.
abonne-toi, laisse un petit commentaire, like, dis-moi quel jeu on préfère en commentaire. Hein. Et c'était sans like. Voilà. Bye bye. Peace. Ça veut rien dire. Bye.